Metaphor, yes, of course, yes. Outsider, yes. Paul is built as an outsider. the film is pregnant with fear and loaded with potential metaphors, but we didn't build the film with metaphor in mind. That's for the viewer. And the outside character being sacrificed is not original, not new, but it was an essential key for the story. Especially him being the carrier of wise words. His lines are the only lines in the film that tend towards any kind of philosophizing. We wanted to keep it at a minimum, essentialize everything. And we wrote the role of Paul for Sam. And the fact that he is Flemish, a Flemish actor, he could have been from anywhere, in fact. But he needed to be an outsider. And he and his son, Octave, had to have a common mother tongue, which happened to become Flemish. We never considered this film as science fiction, per se. We avoid tropes that are used in any kind of genre of cinema, so this is not something that occurred to us during the process. It's situated in the near future. The fact that it's a hypothetical situation for us was liberating as we conceived the story. Dante is timeless. His hell was born long ago, but his hell stretches before us. We all know that. So we live in a time of emergencies on every level. And this came quite naturally. These layers that are, could be called hellish, that are in the story. But they're familiar, they're rooted deep in the past, and we project them into our near future, out of our profound anxiety and sorrow that we feel, literally. Je suis de la ville, je ne suis pas du tout de la campagne. Ils m'ont fait faire un stage quand même à la ferme pendant une semaine. Et, sauf que le jour du tournage, donc j'ai appris à traire les vaches, tout ça. Mais le jour du tournage, du fait des caméras, où elles étaient placées, tout ça, finalement, on n'a pas pu faire exactement. Il y avait des choses qui étaient différentes de comment on fait réellement. Mais en tout cas, voilà, ça a permis d'avoir quand même une approche. Et si vous m'avez fait quand même regarder le miroir de Tarkovsky. Et après beaucoup de travail d'improvisation, notamment moi je me souviendrai toujours, enfin le casting, c'est en amont, mais pour le casting, on m'a pas demandé de venir avec comme on fait toujours avec une scène à apprendre et un texte à dire. On m'a dit tu viens comme tu es, cool. Et on travaillera ensemble. Et il y avait une autre personne avec moi qui passait le casting pour le même rôle. Et voilà, on a fait des impros ensemble et c'était super. Voilà. Par rapport à l'évolution des personnages et par rapport à mon personnage, il y avait quelque chose d'assez particulier quand on a travaillé le rôle de Thomas, qui est que c'est un personnage extrêmement seul et du coup préparer un personnage seul, ça demande un travail qui est tout à fait autre, par exemple que le personnage d'Aurélia qui a dû faire une préparation à la ferme ou quoi que ce soit. Moi, le but était de retrouver quelque chose de plus simple possible et rien que le fait que Thomas ne parle presque pas. Il est le personnage le plus silencieux dans un film silencieux. Et rien que ça, c'est,
c'est déjà c'est très intéressant comme travail parce que voilà, si j'avais pas l'habitude de faire vraiment des personnages comme ça et essayer de trouver ce silence qui raconte vraiment quelque chose et dans ce contexte qui raconte quelque chose, ça a été le plus difficile et ça a été la base du travail qu'on a fait. Et voilà. Well, we appreciate Angelopoulos, Tarkovsky, Parajanov, Gus Van Sant. It's a long, long list. Werner Herzog. Herzog, wonderful and brave. But literal references or any sort of homage, no. No, actually, I don't. Some images may seem familiar. We're aware of that. Well.